Tu m'entends, Jamel? C'est bon? Ah, moi je t'entends pas, mais tu as coupé ton micro, hein. Attention. Micro, ok. Voilà, très Oui, bien. je vous entends. Bonjour. On va commencer. Bon, comme tu peux le voir, on a un petit peu moins de monde que prévu parce que les mesures étant prises mis en place hier soir, j'imagine que les étudiants sont partis. Mais il y a également un lien en streaming via YouTube. Hein, donc. Les étudiants pourront y assister également. Donc, c'est un peu un rituel ici à l'école d'architecture de Saint-Étienne de proposer aux étudiants de semestre 1, étudiants entrant en architecture, une conférence inaugurale. L'exercice est donné à l'invité qui a toute liberté de répondre à la question face à 118 étudiants qui ne sont rentrés dans ces études d'architecture que depuis un mois. Qu'auriez-vous à leur dire? Donc nous avons reçu pour le même exercice à l'école d'architecture de Saint-Étienne depuis quelques années déjà des architectes, des historiens, des architectes praticiens. On a reçu Roberto Gargiani, Dominique Machabert, Charles-Henri Tachon, Vincent Mangeat, Éric Lapierre. Et cette année, nous avons questionné Jamel Clouche. Donc Jamel, tu es architecte, tu as suivi des études à Paris d'architecture à Val-de-Seine. Tu es diplômé et tu suis, à la suite de ces études, un DEA en territoire urbain et un DESS aménagement et urbanisme à Sciences Po. En 1996, tu fondes l'agence AUC à Paris avec François Descoster et Caroline Poulain. Tu enseignes dans le champ ville et territoire à l'ENSA Versailles. Et entre autres, en 2008, tu es retenu pour la réflexion sur le futur Grand Paris. Bon, vous comprenez donc que nous recevons ce soir un architecte urbaniste qui met au cœur de sa réflexion la ville. Bien sûr, nous aurions préféré ta venue en physique dans notre école afin de partager un moment pédagogique dans l'atelier comme on le fait habituellement avec toi, mais une certaine Covid nous en empêche pour le moment. Mais ce n'est que partie remise, hein. Tu viendras nous voir, j'espère. Je te donne donc la parole en rappelant le titre de ta conférence, Lecture de ville et territorialité de projet, sur un format à peu près d'une heure et quart, avec des questions éventuellement à la suite. Voilà. Merci, je te donne la parole. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très honoré de. Vous m'entendez bien ou pas? Je suis très honoré de, voilà, de faire cette conférence inaugurale pour cette rentrée 2020, même si elle est un peu singulière. Je la fais le jour même où vous devez tous rentrer chez vous, mais voilà, c'est comme ça, on va le faire quand même. Donc du coup, j'ai fait le choix. Enfin, vous l'avez, Evelyne, vous l'avez dit. Donc, je suis architecte, je suis urbaniste. On a monté une agence maintenant il y a quelques années, un peu plus de 20 ans, qui fait de l'architecture, mais qui travaille beaucoup sur les sujets de la ville et du territoire et des territoires métropolitains. Donc, j'ai fait le choix de vous montrer beaucoup, beaucoup d'images. Tout simplement parce que je me suis dit, ils partent ce soir chez eux, l'université ferme, et alors que vous êtes là que depuis un mois. Comme ça vous fera beaucoup d'images dans la tête. Écoutez, je vais partager. Le mieux, c'est de vous montrer tout de suite des images. Vous me dites si ça marche. Est-ce que vous voyez? Très bien. En fait, je vais commencer juste par toute une série de plans. Je vais vous montrer toute une série de choses, des plans de ville. Je vais vous montrer deux recherches qu'on a menées, notamment le Grand Paris. Pour moi, c'est plus de l'ordre de la recherche que de l'ordre du projet. Une autre recherche qu'on a faite lors d'une biennale de l'architecture à laquelle nous étions invités en tant que commissaire. Et puis, je vais vous montrer des projets de transformation. D'objets urbains jusqu'à un objet architectural. Donc, j'ai beaucoup d'images. À des moments, je vais aller assez vite. C'est plutôt pour vous montrer un peu l'univers. Vous êtes nouveau un peu sur les questions d'architecture, d'urbanisme, d'espace. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous faire un cours inaugural, mais plutôt voilà, une sorte de mise en situation un peu dans la joie un peu
travailler sur des échelles architecturales et urbaines. Alors, juste pour commencer, je voudrais montrer juste trois cartes qui sont pour moi un peu, aujourd'hui, si on devait parler des territoires urbains, pour moi, en tout cas personnellement, je vois un peu trois modèles qui se dessinent. Le premier d'entre eux, il n'y a pas d'hierarchie, hein, c'est le premier qui arrive. Là, c'est une carte de l'Eurodelta. Donc, juste pour vous repérer, au centre ici, c'est Bruxelles. En dehors de la carte, au sud, il y aurait Lille, Anvers, Rotterdam qui est au nord. C'est un peu ce qu'on appelle toute cette méga région au nord de la France, qui prend toute la Belgique, les Pays-Bas, une partie de l'Allemagne, qui est ce territoire totalement dispersé, où on voit une sorte d'urbanisation. Donc, pour bien comprendre cette carte, tout ce qui est noir sur la carte, c'est-à-dire que c'est construit, tout ce qui est blanc, c'est du vide, donc c'est voilà, de l'agriculture, etc. Et ça montre un peu une forme de dispersion un peu du territoire, une sorte d'urbanisation continue. Donc ça, c'est un modèle que l'on rencontre en Europe, mais qu'on rencontre aussi beaucoup dans certains pays émergents, mais qui dessine une urbanité assez particulière, une urbanité très diffuse, une urbanité qui fonctionne aussi beaucoup avec la voiture. Donc, par exemple, en Belgique, il est inimaginable pour un Belge de vivre sans voiture, parce qu'il a une réunion le matin à Gand, un déjeuner à Bruxelles, et puis une réunion l'après-midi à Anvers, et c'est leur mode de vie. Et puis le soir, il rentre chez lui à Mechelen, parce qu'il habite Mechelen dans une petite maison en périphérie. Donc voilà, ça dessine un territoire, ça dessine un mode de vie. L'idée, ce n'est pas de critiquer tel ou tel territoire. En tout cas, c'en est un. Là, je vous montre un deuxième plan. Il n'est pas à la même échelle, mais c'est une partie de Tokyo. C'est Ginza. C'est un peu un des quartiers centraux de Tokyo. Et donc là, c'est pareil, mais là, c'est inversé. Vous voyez plutôt la partie construite en blanc et la partie vide, donc de l'espace public qui est en noir. Ce qui est intéressant dans Tokyo, c'est que chaque bâtiment est quasiment un objet autonome. Cela tient déjà à une tradition japonaise, mais cela tient surtout au fait qu'il y a beaucoup de tremblements de terre au Japon, et donc tous les bâtiments sont d'une certaine manière solitaires. Et très souvent, quand on se balade à Tokyo, on voit des bâtiments, ils sont espacés de quelques centimètres, une vingtaine. Donc ça dessine aussi une ville assez particulière. D'ailleurs, que Toyo Ito, qui est un grand architecte japonais, probablement le père de la nouvelle génération que vous allez probablement connaître dans les mois prochains. Quand il décrit Tokyo, j'adore cette phrase qui est très simple, qui dit « Tokyo est une ville sans extérieur, un labyrinthe intérieur dont on entre de façon inadvertance par certains points ». C'est le caractère mystérieux de cette ville qu'on appelle Tokyo. Donc, ça veut dire que c'est une ville, au contraire d'une ville comme Paris, dans laquelle j'habite, qui est une ville proprement de l'extérieur, où l'osmanisation a dessiné un adressage de la ville sur l'espace public. Tokyo, c'est un peu l'inverse. Il n'y a pas véritablement de visage identifiable à la ville. C'est plutôt une sorte de chaos. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur Tokyo en parlant de chaos, et qu'en réalité, une fois qu'on rentre dans un certain nombre de choses, certains bâtiments, mais qu'on comprend cette ville, elle a un caractère mystérieux et extrêmement intéressant. Une autre ville, ce n'est pas Tokyo malheureusement, mais c'est Osaka, mais ça pourrait être Tokyo. Donc, c'est des villes où on voit que, vous voyez, vous avez vu un plan tout à l'heure, là, vous voyez une forme, vous voyez un paysage urbain, où les infrastructures sont aussi assez présentes. Et vous voyez de quelle façon chaque objet, d'une certaine manière, se caractérise de façon autonome, et comment les infrastructures viennent aussi, d'une certaine manière, entrer en collusion de façon un peu brutale ou primaire, de façon aussi très belle, avec l'architecture. Je vous montre. Je vous montre juste un petit bout de film. Un film de Tarkovsky qui s'appelle Solaris. Il montre, c'est un film qui date de 72 et qui montre juste Tokyo à partir d'une autoroute. Autour de Tokyo, il y a une sorte d'autoroute suspendue. J'espère que vous avez le son. Bon, voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on travaille sur la ville, on est aussi lié aux infrastructures.
on regarde la ville depuis les infrastructures, et puis il y a des cinéastes, des artistes qui ont fait des documents, notamment ici un film, qui arrive à décrire de façon extrêmement lisible ce rapport entre la voiture, l'infrastructure et l'architecture ou le paysage urbain. Et après, le troisième modèle, probablement c'est le modèle européen, que l'on connaît, dans lequel on vit, de la ville européenne. Donc là, c'est un plan très connu, que vous allez probablement connaître dans les années qui viennent, qui est le plan Noli, qui est un plan de Rome. Je vais vous montrer un détail, qui est un plan extrêmement intéressant, parce que c'est le premier plan extrêmement détaillé de Rome. Et c'est un plan, donc vous voyez en blanc, c'est l'espace public, entre guillemets. En noir, c'est les parties construites, en hachuré. Mais l'intérêt de ce plan, c'est que Noli a voulu montrer, je ne sais pas si vous voyez ma souris, tous les édifices, entre guillemets, publics, comme les églises, les grands palais, etc. Il les a plutôt inscrits d'une certaine manière en blanc. On voit bien les poteaux, les structures, la modénature des bâtiments. Et il montre, et ce plan, il est extrêmement riche. Et pour moi, il fait peut-être un peu le paradigme de ce qu'est l'urbanisme, qui est ce rapport entre l'espace public, mais aussi l'espace privé, et comment on peut travailler entre le public et le privé, entre un intérieur et un extérieur. Et c'est le premier plan qui a été dressé de cette façon-là, qui est, à l'époque, c'est, je pense, 1748, assez révolutionnaire, parce qu'il était déjà en train de traiter, non pas entre le plein et le vide, mais plus que cela, il était déjà en train de raconter de quelle façon l'espace public était une sorte de forme qui adresse des bâtiments publics, des bâtis, des intérieurs, qui font partie réellement de cette... voilà, de l'espace commun, de l'espace dans lequel on vit tous ensemble. Et peut-être certains d'entre vous ont déjà visité Rome ou ont visité certaines villes italiennes. Cette sensation, on l'a véritablement. Là, je vous montre d'autres zones, d'autres secteurs de ce plan. C'est intéressant parce que là, je suis allé presque en banlieue de l'époque de Rome et on voit de quelle manière ce plan il est éminemment intéressant parce que même en périphérie, là, on est à côté du Colisée, on voit même le paysage qui prend, qui est là ni blanc ni véritablement noir, qui dessine une sorte de trame grise et qui dessinait, le plan dresse très précisément, y compris un peu ces franges de la ville. Et puis là, vous voyez plein de détails, évidemment le détail de l'édifice entre guillemets public, un détail sur l'eau. Bon voilà, ça montre à quel point dans nos métiers la représentation est un élément important et cette représentation, elle oriente très fortement la lecture que l'on a d'un territoire. Et si cette lecture est, en tous les cas, savante, intelligente, elle fait déjà projet. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre philosophie. Quand on travaille sur un projet, la première chose que l'on fait, c'est d'abord de le comprendre, d'en faire une lecture. Et quand on fait cette lecture, en réalité, on est déjà dans l'acte de projeter dans ce même territoire. Là, je vous montre un autre film de Vertov. C'est un film de 1927, donc des années 30. Il a été tourné à Odessa et ce film s'appelle L'homme à la caméra. J'aime beaucoup ce film parce qu'il traduit vraiment, véritablement, ce rapport intérieur-extérieur. Il montre la puissance de l'espace public dans une ville européenne. Odessa, on pourrait dire que c'est une ville proprement européenne. Et c'est drôle de voir aujourd'hui, à l'heure du confinement et
à l'heure un peu de la spécialisation, notamment de l'espace public que l'on trouve partout, hein, où il y a les voies de bus, les voies tram, les voies cyclables, les voies piétons, les voies. À quel point, il y a à peine un peu moins d'un siècle, on était en capacité de faire coexister tous les modes sur un même espace entre intérieur et extérieur. Donc tout ça, c'est la force de la ville, c'est cette force de faire coexister énormément de choses dans un même temps. C'est probablement la force un peu de la ville européenne, où l'espace public, cet espace vide, qui vient adresser des choses et qui vient dessiner un peu, qui décide un peu le gène de chacune de ces villes. Là, je vais vous montrer toute une série de plans. Encore une fois, c'est des plans qui sont tous à la même échelle. Donc là, par exemple, c'est le plan de Rome. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vais montrer le plan de Noli, où on voyait la Piazza Navona qui est là. On voit le vieux Rome qui est ici, le fleuve, et puis la ville un peu plus nouvelle, même si elle est déjà ancienne. Donc, c'est intéressant d'apprendre très vite, quand on est jeune étudiant en architecture, à lire les plans, à lire les plans de ville, à en comprendre, à mettre des images derrière une trame, derrière une grille. Donc là, on voit bien qu'on est dans une ville très ancienne, médiévale. Elle est pas, il y a quelques tracés importants, comme la Via Giulia ici, ou cette voie dont j'ai oublié le nom. Mais en même temps, c'est des villes qui sont construites de proche en proche. Et puis après, il y a des moments de planification où on est venu étirer, dessiner des grands axes qui viennent dessiner des portes dans cette vieille ville, etc. Donc, ça dessine un rapport entre les choses. Ici, c'est un autre fragment de Tokyo, mais plutôt du côté du port, où là, on voit deux grilles urbaines orthogonales qui viennent se rencontrer. Mais on voit aussi des infrastructures qui viennent un peu s'accrocher sur la grille. Donc, c'est intéressant de regarder les plans, parce qu'ils nous donnent à comprendre de façon assez belle, moi, je trouve, des rapports d'échelle, des jeux aussi graphiques. Je veux dire, cette autoroute qui vient se brancher sur la grille, c'est carrément, c'est super beau, quoi, de voir de quelle façon, à un moment donné, une ville a été dessinée, des ingénieurs sont venus rajouter un élément d'infrastructure, le port avec son grand quai, ou la Manhattan, ça c'est plus classique. Vous connaissez tous le plan de Manhattan avec Central Park et au nord. Ce qu'il ne faut pas oublier ce qu'il faut pas oublier quand je vous montre ces cartes, c'est qu'elles sont exactement toutes à la même échelle. Donc, il faut un peu comparer la taille des blocs. Donc, ça, c'est le bloc new-yorkais avec les avenues et puis les rues qui sont en est-ouest. Donc, ça dessine des blocs d'une certaine taille. Donc, ça donne aussi des distances. Ça donne des distances presque, voilà, des temps. Sans rencontrer une nouvelle rue. Ici, c'est Philadelphie. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on voit une grande composition autour d'une grande place carrée, une seconde place ici carrée, mais aussi circulaire, une grande grille. Mais à l'intérieur de la grande grille, on voit une sous-grille. Donc, on voit des chemins, des rues beaucoup plus fines, beaucoup plus légères, qui des fois sont en cul-de-sac. Donc, on peut imaginer que c'est des petites maisons qui sont là, etc., qu'il y a des îlots un peu plus grands. Ici, c'est un autre plan d'une autre ville américaine, aussi assez intéressante, c'est Savannah, où on voit, pareil, un peu plusieurs grilles qui viennent se rencontrer. Une grille ici, un peu diagonale, plus importante, qui est le long des grands axes, avec des îlots relativement importants. Puis une grille beaucoup plus fine, carrée quasiment, mais à l'intérieur de laquelle on trouve une sorte de sous-structure beaucoup plus fine, plus opportuniste et qui permet de redécouper, de redonner des accès à différents édifices, des maisons, du logement, etc. Alors là, je ne sais plus où je suis. Je pense que c'est encore un bout de Tokyo, toujours à Ginza, là où on voyait tout à l'heure les îlots. Et là, par exemple, une autre logique, on voit presque deux systèmes qui se superposent. Alors, juste pour l'expliquer, quand on le voit, on peut le comprendre, hein, quand on a un peu d'expérience. Et ici, c'est la ville de Séoul. Et en fait, la maille fine, c'est un peu la ville historique sur laquelle, un peu à la manière d'Haussmann à Paris, on est venu creuser des grandes avenues qui ont démoli des bouts de ville pour faire passer des routes
et des avenues pour donner, fluidifier une ville qui était totalement comme ça, organique. Donc on voit, le plan actuel de Séoul montre très clairement presque ces deux villes qui se superposent, ces deux couches. Et c'est intéressant, donc quand on travaille sur Séoul, si vous deviez travailler sur Séoul, c'est la première chose que vous devez observer, c'est de quelle façon un peu ces deux échelles, ces deux histoires font collusion ou font harmonie, ou de quelle façon elles se rencontrent. Et les cartes sont éminemment instructives sur ces questions-là. Donc là, par exemple, c'est une ville en Inde qui s'appelle Ahmedabad, donc qui est pareil, une structure, donc je le rappelle, hein, c'est toujours la même échelle, donc on voit à quel point c'est une ville extrêmement organique, là, quasiment une favela avec quelques grands axes et puis une sorte de dédale de micro-rues qui nous emmène voilà, au fin fond d'un quartier chez soi. Donc on voit un peu toutes ces, comment toutes ces échelles se rencontrent. À des moments, on sent qu'ici, il y a une sorte d'espace monumental avec probablement un monument ici aussi et puis des grandes infrastructures qui viennent cerner un peu cette machine très, très organique, très, très fine. Donc là, on passe plutôt à l'ère moderne. Là, c'est Toulouse, le Mirail. Donc, c'est véritablement un quartier qui a été dessiné, planifié par un seul architecte qui s'appelle Candilis dans les années 50, 60. Donc ça, c'est, voilà, on voit radicalement une autre logique. Donc, on ne retrouve même pas les rues. On retrouve, donc les, ça, vous verrez, hein, l'époque moderne, c'est le moment où on bannit un peu, on refuse la ville européenne et on refuse son gène un peu d'espace public, de la rue. Et on invente une ville à plusieurs niveaux, une ville piétonne à un niveau et puis une ville à un autre niveau pour les automobiles, pour les infrastructures et puis ensuite les l'architecture qui articule ces deux niveaux. Donc, ça dessine des plans beaucoup moins compréhensibles, même s'ils sont très beaux, j'adore ce plan, et qui dessine une autre logique, une logique plutôt de cluster, de rhizome, de relations entre les choses. Qui était typique des Siam, en tout cas des modernes des années 50 jusqu'aux années 60-70. Où là, je le rappelle encore une fois, je le redis, hein, parce que c'est ça qu'il faut regarder et qui est intéressant. Encore une fois, je le redis, on est à la même échelle. Donc là, on est à Brasilia. Voilà, c'est une capitale qui a été du Brésil, qui a été capitale administrative, qui a été créée ex nihilo par un architecte Diego Costa. À un moment donné de l'histoire, mais très récemment, où on voit un peu cette infrastructure magistrale. Donc, imaginez-vous, tout à l'heure, dans cette épaisseur, à Ahmedabad, il y avait une centaine de petits chemins qui donnaient accès à des milliers de petites maisons. Et donc là, c'est plus de 150 mètres. C'est juste l'infrastructure qui donne accès à ce système urbain monumental. Et donc là, on part plutôt aux États-Unis. Donc là, on est dans la banlieue de Los Angeles. Donc avec des mailles. Donc si on regarde la maille urbaine, elle est monstrueuse. C'est-à-dire que c'est des kilomètres, la grande maille. Et à partir de cette grande maille, on rentre dans des routes intermédiaires qui ensuite, en fait, c'est cul-de-sac, c'est des lotissements. Donc c'est des sommes de maisons là, qui sont au bout de ces cul-de-sac. Et très souvent, dans ces grandes formes assez organiques, c'est des centres commerciaux, des complexes de bureaux, etc. Donc là, c'est un peu le modèle typiquement dessiné par la voiture, modèle individualiste américain, mais qu'on peut, encore une fois, comprendre par le plan. On peut en mesurer l'échelle si on le compare. Si on devait le comparer à Paris, à Rome ou à Ahmedabad, ça donne un peu des rapports d'échelle. Et ça donne aussi des façons d'habiter ou des façons de vivre dans un territoire. Donc là, on est toujours dans la même ville. Vous imaginez que tout d'un coup, on peut rentrer quasiment l'hypercentre d'Ahmedabad dans une maille qui est extrêmement large, donc qui est une maille toujours à Irvine, en banlieue de Los Angeles, qui est la maille plutôt des grands centres commerciaux. Donc il y a aussi une rupture un peu dans l'histoire de la ville, où tout d'un coup, l'espace public a disparu, au profit d'infrastructures dévolues quasi exclusivement à la voiture et pour des grands objets, soit commerciaux, soit logistiques, soit de bureaux. Et on voit, si je vous montre tout ça, c'est pour vous dire, d'une certaine façon,
que la ville, les territoires sur lesquels vous allez travailler, c'est tous ces territoires en même temps. Parce que des Irvine, peut-être pas à cette taille-là, on peut en trouver en banlieue de n'importe quelle ville française, en banlieue de Paris, en banlieue de Lyon, en banlieue probablement de Saint-Étienne, peut-être pas à cette taille. Des morceaux d'Ahmadabad, on peut en trouver, des morceaux de Rome, on peut en trouver. Et qu'à un moment donné, travailler sur la ville, c'est travailler, c'est de comprendre un peu toutes les histoires, un peu techniques, sociales, économiques, politiques, et de quelle façon elles ont façonné aussi des plans de ville, des faces pour des raisons sociétales et probablement techniques. Je pense que la voiture, par exemple, elle change radicalement les choses. Aujourd'hui, on est en train de vivre une nouvelle mutation qui est le bannissement de la voiture de façon progressive et qui va probablement dessiner ou redessiner les formes des villes, mais ça prend des années, donc on ne va pas le voir à l'œil nu. En tout cas, c'est intéressant pour vous, jeunes étudiants en architecture, de comprendre que les plans de ville, c'est des choses qui se comprennent, c'est des choses qu'il faut redessiner à la même échelle pour pouvoir les comparer, pouvoir en tirer, en tout cas, des lectures intéressante qui peut vous aider, y compris à produire une architecture. Et là, tout d'un coup, je vous montre autre chose. Ce n'est pas un plan de ville, mais c'est un très beau dessin d'un artiste argentin qui s'appelle Ferrari, Léon Ferrari, qui a fait beaucoup de dessins. Normalement, il est black and white, enfin, il est inversé, hein, il est sur fond blanc. C'est des dessins à la plume. Mais j'aime beaucoup ce dessin parce que pour moi, il parle un peu de ce rapport intérieur-extérieur que permet l'espace public, que permet la ville, que permet le territoire. Et que finalement, le territoire, une ville, ce n'est que la somme un peu de tout ce dont on a besoin pour vivre, c'est-à-dire des routes ou des chemins ou des avenues ou des rues pour aller d'un point à un autre. C'est des intérieurs, de l'espace végétal, des maisons pour habiter, des endroits pour travailler, des endroits pour se divertir. Et j'aime beaucoup ce plan parce qu'on pourrait faire un peu une sorte de ville comme ça, continue, avec plein de structures, mais qui dessine une vraie diversité. En même temps, quand on regarde ce dessin, on voit une image assez réglée, mais en même temps, dès qu'on se promène dans les détails du dessin, il y a toute une diversité d'atmosphères, d'ambiances, de qualités qui font, me semble-t-il, un peu l'intérêt de la ville, en tout cas de l'agglomération de construction dans un territoire qui est la ville. Je vous montre juste un autre film que j'aime beaucoup, je montre beaucoup de films aujourd'hui, là de Kalasotov, qui s'appelle Soy Cuba, et qui pour moi est peut-être la plus belle illustration du rapport intérieur-extérieur. Et c'est un film russo-cubain qui date de 64 et qui parle de la révolution cubaine. Donc, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est aussi une seule prise de vue. C'est-à-dire qu'ils avaient, que la caméra a fait toute cette scène d'un coup,
avec des bras extrêmement longs qui ont permis de passer de la rue, vous voyez, cette petite rue où il y avait du monde qui passait, qui est monté dans cette petite fabrique à cigares, qui l'a traversée, qui est ressortie de l'autre côté par la fenêtre, et qui a montré un peu ce rapport entre des intériorités et puis l'espace public, l'espace commun, l'espace dans lequel on peut se divertir, où on peut aussi faire la révolution. Donc voilà, c'était juste une sorte d'introduction, mais très rapide, pour parler un peu de l'intérêt de réfléchir à la grande échelle, l'intérêt de comprendre la ville. Et de comprendre la ville, c'est aussi de comprendre des rapports comme ça, aussi simples qu'entre un intérieur et la rue qui est en bas, et de comprendre quels sont les rapports, quelles sont les interactions entre l'espace domestique, mais aussi l'espace public. Ensuite, je vais vous montrer très rapidement un peu le Grand Paris. Evelyne l'a dit, on a eu la chance d'être parmi une des 10 équipes qui a participé à cette réflexion il y a 10 ans, à peu près. Donc, réflexion qui a été lancée par le ministère de la Culture et par le président de la République de l'époque, où 10 équipes ont travaillé, les architectes réputés comme Jean Nouvel, Rogers et d'autres. Et je sais pas, Yves Lyon, etc. Nous, on était l'équipe un peu la plus jeune à l'époque, on avait à peine 40 ans, mais on nous demandait de repenser la métropole parisienne et de réfléchir à la métropole parisienne dans une condition post-Kyoto. Donc à l'époque, il n'y avait pas la COP de Paris, mais c'était la COP de Kyoto, où on avait déjà défini des objectifs environnementaux. Et c'était, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que c'était la première fois depuis pas mal de temps, depuis je pense bien 20 ou 30 ans, on faisait appel à des équipes d'architectes, même s'ils étaient entourés de beaucoup de spécialistes, à poser des hypothèses sur des territoires aussi grands que la métropole de Paris, que le Paris région, quoi, d'une certaine manière, donc une sorte d'entité qui fait 12 millions d'habitants. Et l'idée, c'était de réfléchir aussi à qu'est-ce que c'était que la métropole post-Kyoto. Donc nous, le premier travail qu'on a fait, c'est, nous, on aime bien les atlas, on aime bien comparer les choses, on aime bien mettre les choses les unes à côté des autres pour essayer d'en tirer des... Voilà, de comprendre et de comprendre quels sont les... Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'ailleurs. Et donc, on a, à l'agence, à l'époque, on avait fait ce grand mur. C'était un mur qui faisait une quinzaine de mètres où il y avait toutes ces images. On avait appelé ça la matrice des métropoles mondiales. Et en fait, on avait comparé toute une série de villes de métropole, donc on n'avait pas mis Paris dedans, mais juste pour essayer de comprendre ce qui se passait partout, de quelle manière chacune des villes apportait d'une certaine manière une réponse un peu aux défis contemporains qui lui étaient posés. Je vais en montrer juste quelques-unes, donc à chaque fois on aime bien les plans, on aime bien les mettre toujours à la même échelle, qu'on avait juste le footprint ou la tâche urbaine de chacune de ces villes. Donc là on commence par Toronto, qui est au Canada, et à chaque fois, il y avait une sorte de thème ou de mot-clé qui apparaissait suite à nos recherches. Et par exemple, le mot-clé qui apparaissait à l'époque de Toronto, c'était le transculturalisme, tout simplement parce que Toronto est la ville la plus multiculturelle du monde, c'est-à-dire c'est la ville où il y a le plus de nationalités qui cohabitent ou coexistent. Et en même temps, à l'époque, donc en 2008 ou 2009, Toronto avait été classée par l'ONU pendant 3 années de suite comme la ville où on vivait le mieux. Donc, donc on y a vu juste un... Voilà, on s'est dit, tiens, transculturalisme, vivre bien dans une ville, ça pouvait être un élément qui était intéressant à noter. Donc, on a essayé d'essayer de sortir de chacune de... des analyses de chacune de ces villes, en quoi elle était intéressante. Donc, par exemple, pour Singapour, le mot-clé qui nous est apparu, bon, je n'explique pas tout, ce serait trop long, mais chaque fois, j'explique au moins le mot-clé. Donc, Singapour, vous savez, c'est une île, c'est un État, voilà, donc c'est tout petit, hein, c'est minuscule. Et donc, ils ont ajustement, le mot était ajustement, et très simplement, on parlait de l'ajustement plutôt du plan stratégique du pays, et de l'île, quoi, une sorte de master plan. Et ce master plan, tous les ans, là c'est le Premier ministre, tous les ans, lors de la fête nationale, le Premier ministre passe à la télé et explique en quoi ce fameux plan de développement, le plan qui gère, qui coordonne le développement de l'île, devait être ajusté, parce que c'est, vous savez, Singapour, c'est un hub
aéroportuaire, c'est aussi une place boursière. C'est aussi un tout petit État, donc il dépend énormément des contingences mondiales et extérieures. Donc, ils doivent à tout moment ajuster leur schéma. Donc, on montrait ça très simplement, parce que quand on était questionné sur la métropole de Paris, à Paris, à l'échelle régionale, il y a un schéma directeur qui s'appelait le SDRIF à l'époque. Et à l'époque, quand on faisait ça, le SDRIF datait de 1984. On nous questionnait en 2008, donc il avait 24 ans. Donc, on voyait bien la sorte de différence entre un document d'urbanisme en France, dans la capitale française, qui a 24 ans d'âge, qui était totalement obsolète, qui même le développement de la région avait dépassé la carte, et un autre pays plus émergent, mais en même temps qui fonctionne bien, qui est Singapour, qui ajuste son plan tous les ans. Donc voilà, c'était une deuxième valeur qui nous semblait importante. On a aussi regardé Lagos, mais plutôt pour parler du sort de macrocosme plutôt de l'espace public, mais on faisait aussi référence à un film, peut-être qu'il faut, là je ne l'ai pas mis, mais vous devriez aller le chercher sur Internet, qu'a fait Rem Koolhaas, qui est un architecte néerlandais qui a beaucoup réfléchi, en tout cas il y a une vingtaine d'années, sur les villes émergentes et qui a pas mal travaillé sur Lagos. Et Lagos, c'est Lagos qui était une colonie anglaise. Quand les Anglais sont partis, ils ont laissé des infrastructures un peu incomplètes, notamment un méga échangeur. Et par exemple, dans le film, il décrit ce très grand échangeur qui n'a jamais été fini. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands marchés d'Afrique. Donc, c'est juste pour parler que, pour aussi dire que Lagos, parce que Lagos est plutôt réputé pour son côté anti-écologique ou non-écologique, mais Lagos, c'est aussi le royaume de l'espace public, le royaume du partage, le royaume de la transformation un peu de grandes infrastructures en éléments sorte de méga espace public qui a un marché. Et ça nous semblait aussi un élément intéressant. Autre exemple, Munich. Donc là, on est en Allemagne, donc vous voyez toujours la tâche urbaine. Et puis là, surtout, vous voyez les quatre tâches urbaines de Munich dans les années 50, 70, 50, 65, 70 et 97 ou 2000. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ces quatre tâches, on a l'impression que la ville ne s'est pas développée, c'est que la tâche urbaine, la partie urbanisée n'a absolument pas évolué. Sauf qu'en réalité, entre les années 50 et les années 2000, Munich a doublé de population. Elle a pris 1 million d'habitants en plus. Donc, c'était juste pour expliquer qu'à un moment donné, il y avait des modèles, et notamment en Europe, et Munich en faisait la preuve, qu'on pouvait reconstruire la ville sur elle-même et que la ville, elle pouvait se recycler sur elle-même, se densifier sans venir urbaniser ou artificialiser un peu des terres agricoles. Et c'est pour ça qu'on montre cette image autour de Munich. Il y a encore un hinterland, une nature qui n'est pas agressée par l'urbanisation, alors même que Munich est une ville qui, je pense, compte économiquement, notamment en Allemagne. Londres, parce que c'est aussi un modèle pour Paris, notamment pour le Grand Londres, qui existe un peu avant Paris. Et vous savez, Paris, jusqu'à maintenant, depuis le Grand Paris, je pense qu'il y a des évolutions dans les têtes, mais on avait vraiment la ville de Paris comme hypercentre qui était reconnue. Et puis on disait qu'autour de cette ville compacte, de cette ville du 19e, il y avait une banlieue, alors que Londres, à la même époque, donc là on est, je le redis, hein, il y a 10 ans, Londres était déjà construite autour d'un polycentrisme, c'est-à-dire quand on habite Londres, qu'on habite l'hypercentre de Londres ou ici, on se dit londonien. Alors qu'à Paris, jusqu'à maintenant, on est parisien quand on habite Paris, un des 20 arrondissements de Paris, et puis on est, pantinois parce qu'on habite Pantin ou autre chose, parce qu'on habite une autre commune. Donc, c'était aussi cette idée de créer des centralités en dehors de la ville-centre et dessiner cette forme de polycentralité. Et puis, enfin, Tokyo, parce que je pense que dans notre culture, en tout cas la nôtre spécifiquement, l'Asie a beaucoup compté pour nous, parce que quand on a démarré, on a fait beaucoup de voyages en Asie. On était, je pense, très frappé par la capacité qu'avait la ville asiatique à absorber des différences, et on était aussi très marqué par le fait que la
villes japonaises et notamment Tokyo, dessiner un rapport entre l'infrastructure et notamment le train. Tout à l'heure, j'ai montré l'autoroute, mais je pense qu'à Tokyo, il y a très peu de voitures. Là où les voitures sont, il y en a, mais elles sont sur les grands axes. Mais la voiture est éminemment taxée, mais il y a un réseau de transport extrêmement performant. Et ce réseau est globalement suspendu dans la ville, presque tout le temps. Pas systématiquement, mais majoritairement. Et on a toujours un peu ce rapport comme ça, extrêmement physique. Donc là, on est sur un quai de métro, quoi. Et on a ce rapport physique avec la ville. Donc ça, c'est la première chose qui est forte, qui est intéressante. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une ville qui arrive à allier vraiment la petite échelle et la très grande échelle. C'est-à-dire quand on se promène à Tokyo, on va dans des quartiers très huppés, hyper centraux. Il y a tout un quartier de petites maisons et à 200 mètres de là, où on peut trouver des cafés, des services. Et à 200 mètres de là, on est à côté de la première ou de la deuxième gare du monde. Donc, ça veut dire qu'il y a cette capacité à changer d'échelle, à passer d'une hypercentralité métropolitaine à quelque chose de plus diffus, qui ressemble plutôt à une petite ville, etc. Et donc, ça, c'est une capacité qui nous intéresse, y compris pour la ville de Paris, parce que quand on se promène en banlieue, rappelez-vous les villes dont je vous ai parlé tout à l'heure, Irvine, Ahmedabad, je pense que tout ça, aujourd'hui, cohabite dans nos territoires. Et aujourd'hui, c'est la substance dont on hérite et c'est la substance urbaine, un peu comme ça, mixte, un peu hybride, avec laquelle nous allons, vous allez, vous, futurs architectes, travailler. Donc, à partir de là, quand on a fait ce Grand Paris, on avait décidé, on a fait un choix un peu risqué, en tout cas pour nous, parce qu'on était la plus jeune équipe, de dire on n'allait jamais dessiner un plan, mais pour nous, ça nous semblait juste invraisemblable de dessiner un plan pour 12 millions d'habitants, ça nous semblait juste impossible, quoi. Et notamment, on avait regardé juste le plan de Singapour, il fallait l'ajuster tous les ans pour pouvoir y arriver. Le plan, le SDRIF, le schéma directeur de la ville de Paris ou de la région parisienne, le faisait tous les 20 ans, mais il était obsolète au bout de 10 ans. Donc, ça nous semblait juste délirant de se lancer dans un dessin de plan. Donc, on a plutôt travaillé on s'est lancé dans un travail de maquette. Donc, encore une fois, un langage de représentation. Vous allez apprendre ce que c'est que la représentation. Quels sont les outils que vous choisissez pour défendre une idée et à travers quelle représentation. Donc là, on a choisi que des maquettes. Donc, tout ce que vous voyez, c'est des maquettes qu'on a fait à l'agence, des maquettes en mousse bleue. Là, les photos, elles sont en noir et blanc ou en tout cas trafiquées mais la mousse était bleue. Et toutes ces maquettes, elles exprimaient plutôt des situations, c'est-à-dire des situations métropolitaines, des situations aussi d'intérieur, c'est-à-dire que parler de la région parisienne, c'était aussi parler d'une façon d'habiter ou d'un rapport au territoire qui pouvait se comprendre à partir de chez soi, ou des situations plus d'espace public et qui renvoient à toutes les images ou les films que je vous ai montrés où il y avait cette fabrique de cigares qui, pour moi, elle est déjà un moment ou un temps éminemment important dans la ville qui n'est pas à déconnecter d'un plus grand territoire. Donc on a fait comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chaque maquette racontait une histoire, racontait un projet potentiel. Donc là, on est dans Paris et on montrait que même dans le tissu parisien qui peut paraître figé et fermé, on pouvait aussi imaginer une forme de transformation nouvelle, d'innovation, d'ambition en tous les cas, et qu'on n'était pas que dans une question patrimoniale. Et voilà. Et puis d'ailleurs, on travaillait beaucoup avec le métro, parce qu'il me semblait que le métro, toutes les bouches de métro à Paris, le métro, c'est un réseau souterrain invisible qui nous semblait important à mobiliser pour transformer Paris. Mais aussi, on avait parlé du Palais du Louvre, qui est un musée aujourd'hui, mais qu'on tout d'un coup, on en faisait un peu un palais plus populaire parce que justement, il y a une ligne de métro qui passe juste en dessous. Il a une accessibilité accrue et on pouvait le transformer encore plus que ne l'a fait Pei, cet architecte japonais qui a refait tout le musée du Louvre avec la pyramide, mais qu'on pouvait encore plus l'ouvrir aux populations franciliennes. Et donc, le seul document graphique qu'on ait fait, c'était celui-là. Où vous reconnaissez peut-être pas Paris, mais au moins le cours de la Seine à l'échelle régionale. Et ensuite, toute une série de situations qui sont toutes ces maquettes que vous avez vues,
qui essayait de dire que, vous avez vu tout à l'heure le titre, Grand Paris stimulé. L'idée, c'est pas de faire un grand plan, mais plutôt d'imaginer de quelle façon, situation par situation, on pouvait réinventer la ville de façon locale, tout en ayant une compréhension générale, notamment que nous avions faite à travers les matrices des villes. Quand on a fait le Grand Paris, on a été invité pour être commissaire d'une exposition à Bordeaux. Donc ça, c'est en 2010, c'est écrit. J'allais dire 14, mais non. Donc, vraiment, juste après. Et à l'époque, la ville de Bordeaux, enfin, la métropole bordelaise, la ville de Bordeaux, c'est à peu près 200 000 habitants. Mais la métropole, donc la partie urbanisée, c'est presque 800 000. Et à l'époque, cette ville de Bordeaux, cette région était extrêmement attirante. Beaucoup de Parisiens, de jeunes ménages quittaient Paris pour aller habiter à Bordeaux. Et puis, c'est une ville qui se développe, qui attire beaucoup de nouvelles populations. Et donc, on nous avait demandé de réfléchir à la ville millionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une ville d'un million d'habitants ? Parce que la tendance leur disait qu'en 2040, ils seraient à un million d'habitants et de quelle façon ils pouvaient s'y préparer. Comment on pouvait, dans le cadre d'une exposition, un peu poser cette question. Donc ça, vous voyez, donc on était commissaire de cette grande exposition qui était dans un des hangars industriels le long de la Garonne. Donc je vais vous montrer un peu toutes les séquences qui sont là, que nous avons toutes produites au bureau, à l'agence. Et en fait, notre première hypothèse, c'était de dire qu'on a fait pas mal de recherches géographiques, économiques, etc. Et on ne trouvait aucun écrit scientifique qui parlait de cette échelle de ville. C'est-à-dire qu'il y a plein d'échelles qui parlent de la petite ville, de la ville moyenne, de la métropole, de la mégalopole, mais on ne trouvait pas de discours construit autour de la ville d'un million d'habitants. Donc nous, on a fait une hypothèse qui était la nôtre et qu'on a essayé de vérifier pendant tout le long de cette expo, qui était de dire que la ville millionnaire, c'était la ville qui avait la capacité à additionner ou à cumuler un peu les qualités de la ville moyenne, de la petite ville européenne telle qu'on la connaît, plutôt d'échelle réduite, limitée, avec ses rues, ses places, son église, sa mairie, ses commerces, etc. Et plutôt la métropole, l'image de ce que j'ai pu montrer de Tokyo ou d'ailleurs, ou même de Paris, mais pas de la ville, mais à l'échelle globale, et que c'était un peu cette double échelle qui pouvait, en tout cas, la rendre forte et le fait qu'elle ait la possibilité de, voilà, d'être en même temps, qu'elle soit en même temps, momentanément, une forme de ville comme ça, très intense, très active, etc. Et qu'à d'autres moments, et donc, il y avait une salle qui montrait toutes nos situations, toutes nos photos des maquettes du Grand Paris, qui étaient affichées comme une sorte de, voilà, de panorama de plein de situations. Pour nous, c'est ça, la métropole, c'est plein de situations. C'est ni un plan, ni un schéma, ni une vision, mais c'est une somme de visions qui se télescope. Et de l'autre côté, on avait une autre salle qui, où on avait travaillé avec des photographes qui sont allés faire des photos dans plein de villes européennes moyennes. Puis on avait collectionné des plans historiques où on est dans des villes dont nous sommes plus à même, même en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste. On trouve beaucoup de textes, d'écrits qui nous permettent d'en parler, de les analyser, etc., etc. Et que pour nous, c'était un peu cette schizophrénie, entre guillemets, entre ces deux pôles qui faisaient peut-être la qualité de la ville européenne. Donc, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, bon, maintenant, peut-être qu'il faut qu'on regarde quelles sont les villes européennes qui font un million d'habitants. Quand je dis les villes, c'est encore une fois les formes, c'est les agglomérations. Hein. Donc, on allait, on s'est baladé sur Google Maps, et vous allez voir que Google Maps, c'est quand même un outil que vous allez beaucoup utiliser. Certaines villes, on les connaissait. On a trouvé 26 villes en Europe qui ont entre 700 000 et 1 300 000. Donc, on a pris une fourchette relativement large. On a éliminé toutes les villes soviétiques. Il y a beaucoup de villes soviétiques qui sont autour d'un million d'habitants, mais on les a éliminées parce que c'était des villes très souvent monofonctionnelles, qui sont des villes soit liées à une ressource particulière, minière. Donc, ce n'est pas véritablement des villes, c'est des villes nouvelles qui ont été construites autour de grosses usines, ou enfin, en tout cas de grosses carrières ou de
mines ou pétrole, etc. Mais en Europe, en tout cas, en dehors des villes monofonctionnelles soviétiques, on en a trouvé 26. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, on adore les atlas. Donc, on les a juste redessinés toutes à la même échelle avec leur tâche urbaine. Je vais vous passer, mais très rapidement. Donc, évidemment, il y a Bordeaux, Amsterdam, Anvers en Belgique, Bâle, Mulhouse, ces deux villes, mais en même temps, ils dessinent une unité qui fait 830 000. Belgrade, qu'on voit aussi la compacité de certaines villes, certaines qui sont plus diffuses. Copenhague, 1 200 000, déjà un peu plus grande. Cracovie, plus compacte, 700 000. Dublin, Glasgow, Helsinki, Liverpool, Lille. Donc Lille, c'est intéressant, vous rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé de la ville diffuse, l'Eurodelta, donc elle est déjà dans l'effet de l'Eurodelta avec cette diffusion. On voit bien comment, de quelle manière elle se raccroche plutôt au nord qu'au sud. Lodz en Pologne, Newcastle, Niskan, donc toute la baie, qui dessine aussi une sorte de continuum. Et après, ce qui est intéressant, c'est même quand on fait ces tâches urbaines, donc là, c'est les montagnes qui sont en blanc. Tout à l'heure, vous avez vu des fjords, quand on a vu Copenhague ou Oslo, ici. Palerme, pareil, c'est les montagnes qui coupent. On voit la baie, puis toutes les montagnes qui coupent le système. Prague, Riga, Lettonie, Rotterdam, donc on voit tout le système portuaire ici qui entre. Sofia, Stockholm, Thessalonique, Toulouse, Valence, Zurich. Bon, voilà, c'était intéressant parce que pour nous de faire ce travail très bête, très simple, mais en même temps que l'on fait de façon sérieuse, tout ça à la même échelle. Et en fait, on a décidé juste d'accrocher, comme après les deux salles que je vous ai montrées, d'accrocher ces grandes cartes, mais de façon un peu monumentale. Donc là, les cartes, elles font 2 par 2. 2 mètres par 2 mètres, comme des grands tableaux dans lesquels le visiteur se balade et regarde pour une fois des plans de ville, non pas en vignette, parce qu'en général, dans les livres de géographie ou même d'urbanisme, c'est une petite vignette qui fait 6 par 6 centimètres. Là, tout d'un coup, la tâche urbaine de cette ville fait 2 mètres par 2 mètres. Et on peut la regarder vraiment comme un dessin, comme une forme, comme une œuvre d'art. Donc, vous avez remarqué que certaines étaient en bleu. Et donc celles qui sont en bleu, en fait, on a décidé de les regarder de plus près. Et pour les regarder de plus près, on a fait des très grands dessins. Vous avez vu, les cartes étaient juste avant. Ces grands dessins, c'était des grands dessins d'une dizaine de mètres. Et ces grands dessins, ce n'étaient pas des représentations un peu classiques de la ville. À chaque fois, pour chacune des villes, je vais en montrer quelques-uns. On a essayé de montrer de quelle façon un peu ces deux échelles, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, la millionnaire et la moyenne se rencontrent et comment elle dessine un peu la spécificité de chacune de ces villes. Donc là, par exemple, Valence en Espagne. Valence, le lit de la rivière était là, historiquement. Je crois que c'est Franco qui décide de dévier la rivière, parce qu'il y a eu beaucoup d'inondations dans l'hypercentre, de dévier la rivière qui s'est jetée dans le port ici. En fait, cette rivière, le lit de la rivière, est devenu une sorte d'énorme parc qui entoure l'hypercentre, là où on sent la ville historique, et qui a permis surtout, il y avait un lit, une sorte de delta qui se jetait dans la mer, qui est devenu un peu la zone dans laquelle un peu le Valence contemporain, notamment dans les années 80, Valence était très puissante, elle s'est hissée quasiment au niveau de Madrid et Barcelone, dans lequel se sont développés tous ces grands projets, comme des palais, des centres de conférences, des trucs touristiques, des complexes de bureaux, qui a fait que Valence est devenue une ville attirante et qui a joué un peu dans la carte des grandes, alors qu'en même temps, elle a son vieux noyau médiéval qu'elle est venue renforcer avec ce parc. Liverpool aussi, Liverpool, c'était le Nouveau Monde avant le Nouveau Monde, c'était une ville très expérimental, là, vous ne voyez pas, mais vous voyez tout le skyline sur le bord de la rivière où c'était les premiers gratte-ciels qu'on construisait à Liverpool avant de les construire presque aux États-Unis, parce que tous les bateaux qui allaient au Nouveau Monde, donc aux États-Unis, partaient de Liverpool. Mais c'est aussi la capitale du football, c'est aussi la capitale des lotissements anglais. Et c'était vraiment un peu aussi cette double échelle entre
un rapport au monde très large et en même temps une sorte de ville horizontale, pavillonnaire, à l'anglaise, avec le stade de foot pris vraiment dans des lotissements, mais non pas avec un et non pas sur une nappe de parking, mais vraiment dans la ville, qui dessine aussi ce rapport intéressant. Ou Zurich, bon, j'ai passé un peu vite, il y a d'autres images. Ou par exemple Copenhague, qui est aussi intéressant. Peut-être vous avez déjà vu ce pont qui traverse la mer du Nord, qui relie Copenhague à Malmö. Copenhague, c'est le Danemark, Malmö, c'est la Suède. Dans les années 2000, ils ont dessiné ce pont. Donc il y a un acte, on peut dire, millionnaire ou métropolitain puissant. Et en même temps, à la même époque et même avant, ils ont construit tout ce réseau bleu que vous voyez là, qui est le réseau cyclable, qui est le réseau cyclable le plus dense du monde, qui était déjà le plus dense du monde et très très dense il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc quand on se balade à Copenhague, quand on travaille dans une banque à Copenhague, entre midi et deux, on peut prendre son vélo et aller déjeuner au bord de la mer dans un espace sauvage pour manger son sandwich. Là, à Rotterdam, on voit un peu ce bleu, comment le bleu et le orange se rencontrent. Donc le bleu, c'est le port et l'orange, la ville. Et puis après, il y a des situations comme ça éminemment intéressantes où il y a presque la ville qui est prise dans le port, ou enfin voilà, il y a des rencontres comme ça, ou des frictions extrêmement intéressantes que les cartes comme ça, analytiques, des représentations spécifiques nous racontent. Ou Riga, où par exemple, c'est peut-être la plus petite de ces sept villes, mais en réalité, quand on a fait la grande carte, on n'a pas dessiné la ville, mais on a dessiné plutôt toute l'identité ou les identités qui fabriquent Riga, qui sont liées à des migrations très très lointaines qui viennent plutôt presque de l'Europe du Nord ou quasiment de l'Eurasie de l'Est, qui sont liées à aux routes de la soie, à des routes commerciales et qui ont constitué cette ville et qui en dessinent un peu d'une certaine manière son identité. Donc ça permet de voir comment, enfin, à travers ces représentations, juste de raconter une histoire et de faire valider un peu nos références. Et ensuite, comme c'est une expo, c'est une biennale, c'est sérieux, mais en même temps, on peut inventer des choses. On a inventé une huitième ville qu'on a appelée Almag. Et en fait, là où vous voyez sa tache urbaine, qui est une sorte d'hybridation des taches urbaines de toutes les villes que vous avez vues. Donc là, il y a un bout de Bordeaux, il y a des bouts de fjord, il y a des bouts de tout, quoi. Et ensuite, on a juste fabriqué des sortes de maquettes animées qui représentent, qui allaient chercher dans chacune des sept villes qu'on avait analysées ce que pouvait être cette ville qui, pour nous, qui est cette huitième ville millionnaire qui devenait un peu notre prototype à partir de la lecture de ces 26. Puis 7 qui devenait cette huitième ville qui était le prototype un peu de ce que nous avons pu analyser, comprendre, imaginer, ce qu'on a vu de potentiel pour dessiner une ville millionnaire de demain. Donc là, ça fait référence à cette identité de Riga où presque le plus important dans cette ville, c'est d'où vient mon tapis parce que voilà, j'ai des origines kirghizes et donc j'ai mon tapis kirghize. Qui est dans ma maison, et donc c'est ça qui identifie ce territoire, où là c'est plutôt Stockholm, où c'est plutôt la nature, une forme de modernité, de ville moderne, où les transports, la nature, tout ça se mêle de façon extrêmement harmonique et harmonieuse, où Liverpool, avec le stade, pris dans un tissu de maison, où des fois certaines maisons sont des bars, où on va prendre sa Guinness avant d'aller voir le match. Encore une fois, Liverpool, où il y a des bâtiments industriels monumentaux qui font vraiment ce rapport d'échelle entre la maison et l'usine, qui sont très très intéressants, ou Valence, ou Zurich, où c'est en même temps les vaches, en même temps le gazon, la nature, mais en même temps des flux de bancaires, des usines de montres, qui dessinent aussi ce qu'est Zurich, qui est, voilà. Qui est peut-être la plus grande concentration d'assureurs et de banques dans une ville, mais en même temps un rapport très fort à la campagne et en même temps une technologie de pointe, notamment dans les montres. C'est ça qui fait cette ville qui est aussi des lacs, etc. Bon, là encore un tout petit film qui montre juste comment étaient animées ces maquettes.
Voilà. Il est 19h05. Je ne sais pas, Evelyne, vous m'entendez ? Oui, je t'entends. Moi, j'ai d'autres choses, mais peut-être qu'il est 19h05 et qu'on doit s'arrêter là. Ou est-ce que vous voulez que je vous monte un dernier projet rapidement ? Tu m'entends ? C'est bien ? Non, non, mais poursuis un petit peu. Hein. Je pense que jusqu'à les 15, ça doit être bien quand même. Ok, alors je vais vous montrer juste un dernier. Je vais sauter des choses. Moi, je suis toujours optimiste. J'ai l'impression que je ne vais dire pas grand chose et que ça va aller vite. Non, je vais vous montrer plutôt un projet que nous sommes en train de faire qui est à Bruxelles, dans un quartier qui a été conçu dans les années 70. Donc à l'époque, dans les années 70, Bruxelles, il y avait l'Expo universelle. Voilà, là, c'est une photo de l'époque. Enfin, vous connaissez tous cette image de Bruxelles, voilà, où la ville était conquérante. Et la ville, à l'époque, avait un peu commencé à démolir un peu ses anciennes structures pour dessiner une sorte de ville moderne. Donc, c'est intéressant de comprendre un peu tous ces dispositifs, de quelle façon des choses viennent se mettre sur les autres. Donc, on démolissait des parties qui étaient soi-disant devenues invivables, voilà, de promiscuité, de construction qui était soi-disant pas de bonne qualité, pour venir construire une sorte de city dont la première maquette était celle-ci. Hein. Donc, c'est des maquettes vraiment avec une pensée des années 70, hein. Encore une fois, une pensée où la voiture était déconnectée du sol, où on construisait des tours et on appelait ça le petit Manhattan de Bruxelles. Donc, avec des socles commerciaux et puis des immeubles de bureaux, parce que Bruxelles voulait devenir un peu un centre économique. Donc, pareil, des images de l'époque où presque la rue disparaît au profit d'un système infrastructurel qui dessert un monde économique. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ce projet n'a jamais été évidemment fait totalement, ni comme il a été dessiné, mais aujourd'hui, on hérite un peu de structures comme ça, de tours par l'épipède, qui fonctionnent plutôt qui sont des doubles tours, qui sont posées sur un socle. Donc, nous, on nous a questionnés sur cet objet-là, donc qui existe, mais qui aujourd'hui, enfin, il y a quelques temps, était devenu obsolète, parce que quand on construisait les immeubles de bureaux dans les années 70, on construisait les immeubles de bureaux plutôt bas de plafond. Donc, ce n'était plus ni aux normes de confort actuelles. Donc, le promoteur, le propriétaire de ce bâtiment s'est retrouvé avec un patrimoine important, mais qui ne pouvait plus louer, qui était inutilisable. Et donc, il a lancé une sorte de concours d'architecte pour voir de quelle façon on pouvait apporter une nouvelle solution. Derrière ça, l'idée, c'était plutôt de les démolir et de faire un nouveau projet, des nouvelles tours de bureaux avec des commerces et du logement. Il y avait un programme qui nous était donné. Et donc, nous, on a fait plutôt le choix, par exemple, c'est ces schémas-là, de garder les noyaux, parce qu'il y a deux grands noyaux qui distribuent ces deux grands bâtiments, de garder des bouts de façade ici, qui sont là, et de venir plutôt relier ces deux tours par un grand volume capable, que vous verrez, qu'on ouvrait le socle, qu'on crée d'autres programmes et qu'on crée. Et l'idée était de créer une sorte de nouveau programme extrêmement actif. Donc là, vous voyez un peu le rez-de-chaussée qui devient un monde extrêmement mélangé, dans lequel il peut se passer du sport, des commerces, je sais pas, des cafés, une serre, etc. Le bureau qui devenait non plus deux tours, mais une sorte de grand bâtiment qui utilise les circulations actuelles avec ce grand volume qui les relie, qu'on avait appelé volume capable, que vous voyez là, mais qui était, lui, double hauteur, vous allez comprendre pourquoi. Donc, le bâtiment dont je parlais là, voilà, donc ça, c'est ce qui reste du projet tel qu'il a été conçu à l'époque. Donc, aujourd'hui, il se retrouve en plein centre de Bruxelles, tout près de la gare du Nord, donc une très bonne accessibilité. Voilà, donc avec des espaces publics plutôt typiques de ces années-là, mais des espaces publics plutôt surdimensionnés, globalement vide, parce que comme c'est une zone que de bureaux, à partir de 20h, il n'y a plus personne. Et donc, voilà, là, vous voyez un peu le plan qui en résulte. Donc là, c'est les blocs d'ascenseurs, les quatre boîtes.
et puis le volume nouveau, vous voyez, qui fait 22 mètres sur 110 mètres et qui fait 5,20 mètres de haut. On a fait ce volume en double hauteur, sachant que les bureaux actuels font 2,70 mètres. Vous allez comprendre pourquoi. Là, vous voyez juste en noir ce qui existe, en rouge, ce que l'on rajoute. Et en fait, le résultat, c'est ça, un peu de façon schématique. C'est-à-dire qu'on voit le volume capable ici en rose, mais qui fait deux niveaux. Et à chaque fois, un niveau rentre dans l'ancien tour et qui rentre aussi dans l'autre tour. Et entre chaque niveau de bureau ici, qui correspond au double niveau dans le volume capable, d'un côté, nous avons proposé d'y mettre en vert du logement et en bleu un hôtel. Donc, on a réussi à venir presque en sandwich, on l'appelait le bâtiment zèbre, de mettre du logement entre du bureau et d'un côté et un hôtel entre du logement. Là, vous voyez le rez-de-chaussée, de quelle façon la base qui était une base totalement fermée est devenue une base totalement ouverte avec une grande serre, le lobby de l'hôtel, le lobby du logement, un grand centre sportif et puis l'accès ici latéral vers le lobby des bureaux, que vous verrez après. Voilà, donc ça redonne ça. Là, c'est un peu le rez-de-chaussée en axonométrie. Voilà, ça, c'est ce que devient la base, qui était une sorte de base totalement fermée en béton, qui devient une grande serre accueillante qu'on peut traverser, dans laquelle on peut trouver toute une série de services. Ça, c'est le toit du volume capable, comme c'est l'hôtel qui va le gérer, qui peut devenir aussi un lieu qui donne à voir toute la ville. Et puis là, vous voyez en coupe comment ça fonctionne. Vous voyez les bureaux en rose et puis les logements qui viennent se mettre un peu entre les deux en sandwich. Une autre coupe, on voit le volume capable, on voit les bureaux, les logements, l'hôtel. Et puis là, vous voyez un plan, on voit tous les bureaux sur un niveau. Et puis le niveau au-dessus, on voit une partie qui est logement en bleu, une partie qui est hôtel en vert. Voilà ce que ça donne dans la transformation. Donc, il y a évidemment un retravail sur la façade. On voit le volume capable, l'entrée latérale qui est ici. Voilà. Là, vous voyez le lobby qui devient un peu ce volume capable qui relie donc un bloc d'escalier qui est là et le deuxième qui est là et qui devient un peu une sorte de méga hall, 80 000 mètres carrés de bureaux, donc ce qui est quand même important. Là, vous voyez un peu les atmosphères, un peu des lieux de travail. On a même travaillé sur des sols épais où, dans ce volume capable, on peut même planter des arbres avec un système de goutte à goutte qui permet de les arroser. La bibliothèque, etc. Et puis là, vous voyez un peu comment le nouveau projet s'inscrit dans Skyline. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans un quartier qui était monofonctionnel, on a transformé un bâtiment existant. Donc, je pense que la question de la transformation, elle est importante. Vous le verrez dans vos études et après. Et puis, la question aussi de la mixité, c'est-à-dire de quelle façon, dans un bâtiment qui était monofonctionnel, 90% de bureaux et 10% de commerce, ça devient un bâtiment dans lequel toutes sortes de publics viennent et cohabitent. Et juste pour conclure, je vous montre un tout petit film et on va s'arrêter là. Belangrijk is om de kwaliteiten die er zijn te gebruiken. Het vele licht, het ongelooflijke uitzicht.
Je kan tot Mechelen kijken. Op een heldere dag zelfs zo ver als de haven van Antwerpen. Een raam kunnen opendoen en voeling krijgen met wat er buiten gebeurt. Dat is ook kwaliteit, zowel voor het wonen als het werken. Op een plek zitten waar je niet geïsoleerd bent. In een wijk die ook na de kantooruren leeft en veilig en geborgen aanvoelt. Merci. Oui. Oui, oui. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous auriez des questions éventuelles? Ça va? Oui. C'est bon? Je prends le bleu. Si, c'est bon. Très bien. Merci. Je passerai. Non, vous n'avez pas de questions dans la salle? Si? Merci. Merci pour la conférence. Je voulais savoir si vos études donc, sur les différentes métropoles que vous avez étudiées à travers les tâches urbaines, etc., sont accessibles au public, si c'est possible d'aller les consulter, les étudier un peu plus en détail. Bien sûr. Bien sûr, il y a une publication que nous avons faite, que je peux envoyer à l'école. Que vous aurez, que vous pourrez consulter. Peut-être elle existe dans votre bibliothèque, je ne sais pas. En tout cas, dès demain, je le mets dans un colis que je vous envoie à l'école. Merci. Et aussi, si je peux enchaîner, donc on travaille sur un semestre sur l'urbanisme, la lecture de ville et le projet urbain. Et quels sont vos conseils en fait, pour aborder du coup, le projet urbain à l'échelle d'un territoire? Et parce que on est un peu perdu. Enfin, c'est une totale autre échelle. Et voilà, quels sont vos conseils? En tout cas, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que il faut pas avoir peur de la grande échelle, parce que la grande échelle, elle ne peut se comprendre. D'abord, il faut dessiner beaucoup. Il faut apprendre à dessiner, prendre des cartes, analyser les choses, apprendre à observer les cartes. Associé à cette lecture cartographique, j'ai essayé de le montrer à travers toutes sortes d'images que j'ai montrées, qu'elles étaient parlantes dès lors que voilà, on apprenait à les regarder. Associé à cela, évidemment, des promenades ou aller sur le lieu de votre projet ou sur lequel le lieu sur lequel vous devez réfléchir et être toujours en feedback entre la très petite échelle et la grande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la petite échelle, un détail peut informer la grande échelle. Et inversement, la grande échelle, comme je l'ai montré par exemple à Séoul, où on voit un peu ces grandes avenues qui viennent se superposer sur un tissu historique, un tissu plutôt organique, quand on le remarque sur la carte, on peut ensuite, de cette lecture vraiment à grande échelle sur une carte, on peut aller in situ, regarder qu'est-ce qui arrive très exactement, quels sont les accidents, quelles sont les collusions, comment la ville a dessiné, parce que la ville, c'est probablement l'organisme pas vivant le plus qui s'adapte, qui est résilient par excellence, hein, qui s'adapte à toutes les crises. La preuve en est, je ne sais pas, ça fait plus d'un an qu'on est en crise maintenant, ou bientôt un an, et tous les jours on s'adapte, et tous les jours on est un peu triste, mais le lendemain on se dit c'est bon, il faut qu'on y aille quand même. Et je vais dire, la ville, elle a cette capacité, et puis après, il y a multiples interventions dans la ville, c'est pas, il n'y a pas un maître. De cérémonie, c'est plein d'individualités, plein de collectifs, des gouvernances, des collectivités, des institutions qui agissent toutes en même temps, qui dessinent un résultat. Donc il faut juste comprendre que vous n'êtes pas obligé de tout saisir, mais qu'à un moment donné, vous devez en comprendre un peu une sorte de figure, dessiner une sorte de figure de tout ce que vous comprenez, de l'analyse cartographique, de vos promenades,
de ce que vous dites un détail sur la grande échelle, de ce que vous dites à grande échelle sur la petite, et qu'à un moment donné, il y a un faisceau d'informations qui commence, qui vous permet, je pense, pardon, qui vous permet, je pense, de commencer à raconter votre histoire personnelle, votre lecture personnelle de ce site, de ce territoire. Et à partir de cette lecture, vous allez pouvoir, si elle est pertinente, si elle a quelque chose, elle devient tout de suite une écriture, donc un projet. Elle devient, vous allez rajouter une couche intéressante qui va venir articuler des choses qui sont déjà en présence et qui ne cherchent pas... Voilà, je pense que c'est un art assez simple, mais en même temps, il faut l'apprendre, c'est de l'apprentissage. Il faut s'entêter, tous les détails comptent. Donc, c'est pas parce qu'on fait de l'urbanisme qu'il faut s'intéresser qu'aux choses un peu pseudo-grandes. Quand on fait de l'urbanisme, on peut s'intéresser à une fabrique de cigares. C'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure à travers cette petite séquence de Soy Cuba. Pour moi, cette séquence, elle parle de la ville plus que... Bon, évidemment, elle parle de la Révolution, très précisément ici dans le film, mais en même temps, pour moi, je la montrais pas pour ça. Mais je la montrais dans ce rapport intérieur-extérieur, donc presque d'une atmosphère comme ça, totalement contrôlée, qui est une fabrique et une atmosphère de ville urbaine dans laquelle les gens vivent ensemble. Donc il faut apprendre à jouer avec les échelles et à trouver vos moyens propres, parce qu'il n'y a pas d'outils. Hein. Vous l'avez vu, j'essaie de vous montrer que la ville actuelle, alors, je ne sais pas sur quel territoire vous travaillez, peut-être vous travaillez sur des territoires plus naturels, moins denses, mais c'est la même chose. Mais tous ces territoires sont une sorte de palimpseste, de superposition, de logique qui fonctionne à différentes échelles et tout ça est simultané, tout ça est là en même temps. Donc c'est un peu décelé à travers des outils que vous devez, évidemment, vos enseignants vous aider à vous fournir quelques outils, vous apprendre à dessiner deux ou trois choses. Mais en réalité, les outils, c'est les vôtres. Vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des atlas. L'atlas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est systématique. C'est-à-dire, je ne sais pas, il faut relire Pérec. Hein. Pérec, il n'était pas urbaniste, il était écrivain. Il s'asseyait sur un café, sur une place de la Saint-Sulpice, et juste, il écrit ce qu'il voit passer. Il écrit le numéro de bus, le taxi qui s'arrête, la dame en manteau beige, le monsieur qui redifle. Et en réalité, il est déjà en train de décrire une scène urbaine. Donc il y a plein de méthodes. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des méthodes qui vous sont propres, parce que c'est très souvent celles-ci qui décèlent. Ensuite, il y a des méthodes plus académiques, je dirais, que vous allez apprendre, mais... Je pense que c'est les deux, quoi. Il faut mêler les deux, parce que les méthodes académiques, elles, je pense qu'elles ne sont plus en capacité de véritablement parler de ces territoires complexes qui mélangent des temporalités, qui mélangent des histoires, qui mélangent des logiques, qui mélangent des façons d'habiter un territoire qui sont différentes. Et travailler sur le territoire ou sur le projet urbain, c'est un peu comprendre tout ça. Et si on le comprend... Ben, c'est très facile de faire un projet parce que finalement, on vient presque de façon délicate s'installer, venir amplifier, venir augmenter, venir ajouter ou soustraire des fois quelque chose qui ne va pas bien et on vient participer à un écosystème qu'on a compris. Donc, c'est un peu essayer de le comprendre comme un monde écosystémique mais qui bouge, qui est vivant, qui en même temps qui a voilà, son autonomie, mais en même temps qui contribue. Donc, c'est assez... ce que je veux dire par là, c'est que oui, vous sortez du lycée, vous passez un mois à l'école, donc ça paraît une montagne, mais faites-le avec juste votre sensibilité propre, plus les acquis qu'on vous donne, ou en tout cas les conseils qu'on vous donne, et petit à petit, vous allez vous construire votre propre lecture et votre propre sensibilité par rapport à un territoire qui vous est donné. Et qui, à partir de là, le projet, il est déjà presque là. L'intervention que vous allez proposer. Merci beaucoup.
Oui, bonjour. Pierre Bonjour. Albert, architecte enseignant dans cette école. Moi, j'ai un souvenir, alors c'est un peu à côté de la conférence, hein, remarquable. Je vous remercie en tout cas de tout ce qui a été dit, en particulier sur la question de la représentation. Hein, je pense que le seul fait de représenter les choses, c'est déjà un acte de projet assez fort. Et ce que je note dans le travail que vous avez montré, c'est des choses très simples, hein, c'est des plans masse. Fait à la même échelle, comme tu l'as dit, de manière systématique dans le principe de l'Atlas, qui est très efficient en effet. Mais cette question, par exemple, du souci, on l'a vu dans les maquettes, quand même, de réinterroger même des choses très très simples. Hein, c'est pas, il y a assez peu, sauf peut-être dans le projet à la fin, mais on comprend pourquoi des visions 3D ou des choses un peu sophistiquées, c'est des choses toujours très simples, mais qui sont faites de telle manière et agencées de telle manière qu'elles réinforment. Et moi, là où je suis assez sensible, et pour avoir connu aussi le travail que vous avez fait avec Émile Ayot, c'est la manière de sortir des idées préconçues. Je pense par exemple à la question du plan masse, où très vite, on a un discours qui vient d'évidence, notamment sur le patrimoine des années 70, où je trouve dans le travail que vous aviez fait est particulièrement subtil, sans pour autant aller chercher des choses très extravagantes et très innovantes en termes de représentation. Alors, est-ce que ça, c'est... Enfin, moi, la question, c'est une question un peu d'architecte. Hein. Est-ce que ça vient d'un héritage de ton enseignement ou de vos enseignements ou d'un parcours où vous êtes débiteur d'autres architectes qui avaient travaillé dans ces pistes-là? Comment s'est construit un peu ça, qui a été quand même un peu une surprise aussi quand vous avez fait le projet pour Paris, hein, qui était quand même très, très audacieux dans sa proposition formelle, puisque, comme tu l'as dit, il n'y avait pas, par exemple, de master plan comme on... ou de propositions très génériques, mais où c'était une attention comme ça, un peu d'enquêteur. Est-ce que je sais répondre à cette question? Normalement, je devrais. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense probablement que ça vient aussi de notre expérience asiatique. Nous, on sortait de l'école et on est parti en Asie. Parce que quand on a fait Sciences Po, il fallait faire un stage et ça nous embêtait d'aller faire un stage dans une agence d'urba publique ou je sais pas quoi, ou un bailleur social. Je pense que c'était pas très sexy ni stimulant quand on sort de l'école. Et à l'époque, on avait monté un projet et on avait trouvé des financements pour aller au Vietnam. D'ailleurs, on a écrit un très beau livre sur Hanoï. Et quand on a fait ça, en fait, on a profité, en tout cas pour visiter beaucoup, beaucoup de pays asiatiques à l'époque. Donc, c'était dans les années 95 ou 16. Et la Chine, c'était rien encore. On ne parlait pas encore des dragons asiatiques. La Chine, tout ça, c'est 2000. Donc, c'est il n'y a que 20 ans où la Chine, elle décolle et on ne parle que de la Chine. Mais déjà, on avait, d'une certaine manière, un peu observé... que ce qui nous plaisait dans la ville n'était finalement pas... c'était quelque chose de plus spontané, de plus informel, qu'il y avait un peu cette puissance quoi, qui était là. Et en fait, je pense qu'on est revenant en Europe, on s'est dit que nos méthodes, ce qu'on nous apprenait, elles étaient peut-être obsolètes et qu'il fallait peut-être, d'une certaine manière, un peu... Ouais, se fabriquer des outils qui nous permettent un peu d'être en même temps très simple, compréhensible par tous, parce que nous, enfin, en même temps, on n'est pas, on se la joue pas des, enfin, moi, je me la joue pas comme un théoricien, hein, je suis assez basique, mais en même temps, enfin, on fait des travaux qui permettent à un élu, mais y compris à des habitants, quand on montre nos travaux à des habitants, parce qu'il arrive qu'on doit travailler avec des habitants dans le cadre de, je sais pas, d'ateliers participatifs. Même s'ils ont l'air comme ça abstraits, avec des dessins abstraits, on ne s'abaisse pas à faire des dessins simplifiés où les gens les comprennent. Et en réalité, ils comprennent mieux ce que nous disons, nous, que ce que pourrait dire quelqu'un qui va faire des dessins, je ne sais pas, plus enfantins ou j'en sais rien. Bon, voilà. Donc, je pense qu'en termes de représentation, l'abstraction n'est pas synonyme d'incompréhension. Ça, c'est, je sais pas, peut-être c'était pas dans la question. Et puis après, la deuxième chose, nous, ça vient de nous, enfin, c'est notre sensibilité, c'est qu'on aime bien quand on fait un projet,
par exemple, vous avez parlé de Pantin, notre but le plus ultime, c'était de dire quand on finit le projet, il faudrait que personne ne s'aperçoive que quelqu'un a fait un projet. Pour moi, c'est une force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter le Grand Ensemble, quand il avait été dans un piteux état, mais en même temps beau, parce que c'est du IO puissant. Aujourd'hui, il est quasiment refait. Je pense que ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce quartier. Presque fini. Et ben, vous pourriez vous dire, waouh, il est bien ce quartier, il n'a jamais été défiguré. Il est comme il était. Sauf qu'en réalité,